En sciences humaines et sociales, on aime bien les grands concepts, les grandes idées, ainsi que les grands événements marquants de l'histoire de l'humanité. Et surtout, nous cultivons un amour pour les grandes phrases complexes et parfois les mots un peu alambiqués. Aussi, ça participe à faire de l'histoire une discipline parfois un peu figée et rébarbative qu'on subit au collège-lycée. Lorsque j'explique autour de moi que je suis historien dans une usine Peugeot, en général, mes amis, ma famille ou bien même mes collègues me demandent Mais en fait, à quoi tu sers Mine de rien, cette question m'a pas mal travaillé lorsque j'ai commencé ma thèse et euh, mon sujet est un petit peu difficile. Moi, je vise à comprendre comment, pourquoi, et quand la vie de toute une région, de tout un territoire s'est structurée autour de l'activité industrielle. Le XXe siècle a été un tournant majeur, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu reconstruire et relancer la machine industrielle du pays, euh, et on se rend bien compte aujourd'hui des limites de ce modèle de consommation et de production à échelle globale les trente glorieuses deviennent petit à petit les trente pollueuses. c'est là que réside tout l'enjeu de mon sujet. moi, je veux comprendre quand, comment et pourquoi à l'échelle locale. la vie et les activités humaines ont impacté le sol sur lequel nous vivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous mangeons. certains de mes collègues historiens ont nommé euh, cette nouvelle ère géologique l'anthropocène. C'est un monde fini où les traces des activités humaines ont eu un tel impact euh, sur le monde qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière. Il faudra dorénavant faire avec. Quand je vous disais qu'on aimait bien les grands concepts en histoire. Plus concrètement et quotidiennement, moi je suis un historien en entreprise. Bien sûr, j'ai souvent le nez plongé dans mes bouquins ou dans des archives poussiéreuses au fin fond d'une usine désaffectée. D'ailleurs, mes collègues à Peugeot m'appellent l'ours des cavernes quand j'y suis l'hiver. Pourtant, je crois qu'il est essentiel dans des périodes de grands changements sociaux comme celle que nous traversons aujourd'hui de comprendre ces décisions qui ont modelé nos modes de vie et le paysage finalement. Pour construire des voitures, il faut une usine. Pour une usine, il faut des ouvriers. Donc, ça dit logement, école, gare, route, aéroport, euh, Leclerc. Bref, il faut, euh, bref, nos modes de vie et les activités industrielles ont co-construit. Euh, le monde dans lequel nous vivons, les enjeux politiques, économiques, sociaux, scientifiques ou bien même techniques se sont mutuellement influencés au cours du temps. Et moi, je mène l'enquête au milieu de tout ça, tel un détective, pour comprendre quand, comment et pourquoi les décisions qui impactent notre vie ont été prises. Je crois qu'il est absolument. Voilà.